ministère breton de Sainte-Barbe. Brudière, donc barbare, je vous ai posé comme ouvrier. Fidèle à l'anatole de bras, on a scrupuleusement histoire dense avec contrefois et béliadique et argent. Ben Pelvin, l'un des decks, à l'Ispéria, à Brasson Mariou, de l'histoire à dense. Parmi les textes s'inscrivant dans la tradition de la vénération des saints en Bretagne, on peut citer quelques phrases d'Anatole de Braz. Il parle d'une niche qu'il a vue dans la chapelle Notre-Dame de Blanc-Mignet, région de Brassard. On y voit, dit-il, une sainte barbe avec sa tour et sa palme. Le manteau de la sainte, on la date 1578, date à laquelle Ernest a réédité le mystère de Sainte-Barbe, édité une première fois en 1554. Le culte de la sainte est l'un des plus populaires qui soit en Bretagne. Les valeurs de l'Angélec en retraitent les principaux épisodes. Sainte-Barbe, elle appartient à la pompier, des mineurs, des artisans, des forgerons et de tous ceux qui se servent de tout. Elle est également invoquée contre les orages. Cette chronique se réfère essentiellement au livre Sainte-Barbe en Bretagne, écrit par Pascal Gauthier et Roger Luban, livre de près de 300 pages, entièrement en couleur. D'angle à Nabal, non, et ouvert par Pascal Gauthier et Roger Luban, Sainte-Barbe en Bretagne. Et par le Nol, qui n'a voisin d'une, ou à Radio Bretagne Femme, Pédre et Internet, ou à Bretagne Femme, et de Bretagne 5, la Bretagne en direct.